Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose d'incroyable, je pensais jamais que ça arriverait. On va faire de la moto, donc là on est en Californie, j'étais en vacances et j'ai été contacté par Thomas Do, donc c'est un pilote de motocross français qui est professionnel, et du coup par MX California, donc c'est une structure voilà, qui vous permet de rouler si vous venez en vacances en Californie. Ils ont des séjours qui sont tout simplement organisés et ils m'ont invité à venir passer une journée avec eux, donc je vais vous montrer comment ça se passe. On a du coup la structure là, les motos, Thomas il nous prépare tout au poil, il va essayer de nous régler les motos pour qu'on se sente bien dessus, tout ça, ça va être vraiment incroyable. Donc on va aller se préparer un petit peu et on va aussi parler avec Thomas voilà, qui se présente et qui vous montre un petit peu ce qu'il est possible de faire ici aux États-Unis en Californie. Donc voilà avec Thomas Do qui est pilote professionnel de motocross et de supercross. Et aujourd'hui, il va nous parler un petit peu du coup de la structure MX California que vous voyez ici. Alors, qu'est-ce que c'est MX California? Comment tu pourrais le définir? MX California, c'est une société que j'ai repris il y a à peu près 5-6 mois maintenant. Donc, en fait, j'accueille les Français en Californie qui viennent passer des séjours vacances ou qui veulent rouler, faire les deux, voilà, tant qu'à faire. Donc, c'est le concept à la carte. Les gens, ils me disent combien de jours ils veulent venir. On adapte leur séjour comme ils le souhaitent. Donc là, par exemple, quelqu'un qui est sur Los Angeles, qui est sur la Californie, est-ce qu'il peut t'appeler et dire bah, j'aimerais bien rouler demain, après-demain, après-après-demain ou tel jour? Ouais, bien sûr. Donc en fait, on a l'exemple aujourd'hui, il y a un pilote qui est venu rouler avec nous. Il m'a appelé, il m'a dit est-ce que c'est possible de louer une moto demain à Milestone? Je dis ok, pas de souci. Donc le pilote n'avait pas prévu de rouler, donc il est venu sans affaires, sans équipement moto. Il suffisait qu'il me donnait juste les tailles en fait et moi je l'ai équipé, la moto, donc c'est top, il a pu rouler aujourd'hui et on s'est régalé. Exactement, c'est ce qui s'est passé pour moi. T'as aussi des voyages organisés? Ouais voilà, j'organise des voyages. Comme je dis, les gens ils me contactent via les réseaux sociaux, la page Facebook ou Instagram MX California. Et en fait ils me disent je veux venir 10 jours, 15 jours, on est 2, 3, 10 pilotes, des accompagnateurs. Vraiment je fais à la carte. Donc c'est ce qui est cool, les gens, je leur compose le voyage, s'ils veulent visiter des endroits en particulier, je peux organiser ça aussi. C'est pas, on n'est pas guidé par quelqu'un qui nous amène d'un point A, un point B, un point C. Ça vous laisse une certaine liberté quoi, de pouvoir faire ce que vous voulez. Après au niveau de la structure, donc là on voit, t'as des motos, combien t'en as? T'as du coup cette remorque, le pick-up, est-ce que t'as aussi quelque chose pour accueillir les gens? Oui alors, actuellement je loue une maison de 350 m2. Donc je peux accueillir jusqu'à 14 personnes en même temps. Bon c'est rare que nous sommes 14 bien évidemment, mais et j'ai aussi 8 motos dans le parc actuellement. Donc le but c'est de renouveler chaque année pour avoir les nouveaux modèles. Là j'ai des Yamaha, des Kawasaki. À terme je pense que j'aurai aussi des Honda et toute autre marque. D'accord. Voilà donc on adapte tout ça, on se régale. Moi j'amène les motos sur le circuit, les gens ils viennent, ils s'habillent, ils s'occupent de rouler. Quand ils en ont marre, ils finissent et ils vont visiter ce qu'ils veulent. Ouais, voilà, vraiment fun quoi. C'est top, tu m'as aussi parlé qu'il y avait une piscine, un jacuzzi, donc après la moto ça fait toujours du bien. En parlant de moto, combien il y a de terrains? Quels sont les gros terrains aux alentours auxquels tu amènes les gens en général? Alors il y a les plus réputés comme Glen Helen, Milestone où nous sommes aujourd'hui. Après on a des terrains qui s'appellent Pala, Cayuga Creek, Perris. On a vraiment tout un ensemble de circuits autour de la maison, à moins de 35 minutes, 40 minutes de la maison. Et dans chaque terrain, il y a plusieurs terrains. Donc aujourd'hui, on a Milestone. Suivant votre niveau, il y a le terrain amateur, le terrain pro. Il y a des petits terrains supercross, même pour les peewee, pour les tout petits. Vraiment, c'est énorme, c'est un complexe. On va où on veut et on se régale. Là, ils viennent d'arroser la piste pour les pros. Là, on va rouler sur la piste amateur et vice versa. Donc voilà, et puis là, on se languit de finir aussi. On sait qu'il y a la piscine, le jacuzzi qui nous attend à la résidence. Donc ça va être top. Ok, comme tu le dis, en fait c'est un gros complexe. On peut venir en famille, qui est un débutant, un pro, quelqu'un qui peut s'essayer au supercross, un pilote professionnel, un pilote amateur avec un très bon niveau. Tout le monde peut se faire plaisir, c'est un gros terrain de jeu. Je voulais te dire aussi, tu pensais faire quelque chose du coup au niveau d'un concours? Est-ce que tu verras? Alors, sans vous en dire trop, je pense qu'on va en parler d'ici peut-être. Ouais, on va faire un concours et on va faire gagner quelque chose. Pour les gens qui vont s'abonner à la page MX California Facebook et Instagram, on va vous mettre tout le détail dans le descriptif. Exactement. Tu vas gérer de ton côté, voilà, mais on va vous faire gagner quelque chose qui va peut-être vous permettre de venir ici, vous amuser, découvrir l'Amérique avec moi et toutes les personnes. Et vivre un peu le rêve américain. Donc, tout ça, c'est en description. Voilà.
Bah Thomas, écoute, je te remercie. Je te souhaite énormément de réussite avec Ibis California, qui est une structure qui va vous permettre de réaliser des rêves de plein de personnes et aussi dans ta carrière de pilote professionnel. Ah bah merci à toi et puis allez, c'est parti, on va rouler. Tu m'étonnes. Bon, si on devait qualifier les terrains de Californie, ce serait le rêve, mais très chaud. Thank you.
Là, on va être reparti. La piste vient d'être arrosée. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, là, j'ai perdu. Mais je vais faire un petit peu peur. Parce que là, tout à l'heure, il était crampé, crampé. Et tout le monde a arrêté de rouler. Je pense qu'ils pensaient d'attendre que ça sèche. On va quand même aller faire un petit tour. Là, je crois que ça fait bien deux heures qu'on tourne, qu'on s'arrête, qu'on tourne, qu'on s'arrête. Comme je l'ai dit, il fait ultra ultra chaud. Par contre, le terrain, mais c'est un bonheur. Il y a Thomas qui vient de passer. Le terrain, c'est un bonheur. Mais j'ai pas fait beaucoup de cross, mais j'ai vu beaucoup de compétitions. Et là, le terrain, ils leur font, ils arrosent. C'est impressionnant. Les sauts, moi qui suis débutant, je me surprends à faire quelques sauts. Bon, pas des grosses tables de 40 mètres, mais quelques petits sauts, pas mal. Donc franchement, je suis super content. Merci beaucoup à Thomas, je le répète 40 fois, mais vu que c'est un peu un rêve de motard, donc voilà, j'ai que ça à la bouche. Mais regardez, c'est tous les pick-up, les vans, les motos, les mecs qui roulent, ils sont tranquilles. Ils vous laissent passer, il n'y a pas de soucis. J'ai même pas de mots. Surtout, j'ai une moto que j'adore, bah, la 2000, je la connais, donc voilà. La vidéo touche à sa fin, on a bien roulé, on s'est fait super super plaisir. Et ici les terrains c'est incroyable, on avait une équipe super au top. Les motos, tout ça, on était avec d'autres Français qui étaient super sympas. Et voilà, donc on est en train de plier, hop, ça va être l'heure d'aller manger pour nous. Et puis voilà, on s'est vraiment fait plaisir. Donc si vous êtes en Californie, vous voulez faire un petit tour de moto, n'hésitez pas à les contacter, voilà. Même si vous voulez venir. Un voyage organisé pour faire de la moto, voyager, voir des courses, pas forcément, vous peut-être faire une fois de la moto et puis visiter d'autres choses. N'hésitez pas à les contacter. Allez voir aussi en description, on vous a fait une petite surprise et je pense que ça va vous faire super plaisir. Donc voilà, je vous fais gros bisous. Sur ce, roulez bien, ciao, bye et gaz.